Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Karl Lang. Karl Lang, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, avec plaisir. Je vous souhaite aussi une bonne année. Je crois qu'on peut encore le souhaiter à ce moment-là de l'année. Vous êtes mon premier invité de l'année 2018. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Alors, vous êtes bien sûr le président du Parti de la France. Et en fait, l'argument de votre venue ici, en dehors du plaisir qu'on a à vous recevoir, c'est que vous avez sorti un livre, qui est un livre entretien, donc qui est présent ici, je vais le remontrer. Et donc, en fait, ma première question, ça va être simplement... quelle a été l'idée motrice du livre? Qu'est-ce qui vous a donné envie de transformer cet entretien en livre, en fait? Et je me suis aperçu que beaucoup de choses ont été écrites sur la droite nationale et sur le Front National de Jean-Marie Le Pen, mais toujours par des adversaires de notre famille politique. Oui. Et donc, c'était l'occasion, avec Jean-François Touzet, à la demande de Roland Elie, des éditions de Synthèse Nationale, eh bien d'écrire ce témoignage. Je voulais que ces entretiens soient à la fois un témoignage de mon engagement, des événements que j'ai vécus depuis mon adhésion au Front National en 1978 jusqu'à aujourd'hui. Donc, 30 années au Front National, 8 ans au Parti de la France, presque 40 ans d'engagement politique. Donc voilà, témoigner de ce qui s'est passé et expliquer les événements. Mmh. Expliquer pourquoi je me suis engagé, pourquoi nous avons pris telle et telle position au cours des années. Donc voilà, ça, c'est un instrument, c'est un outil, ce livre d'entretien, je crois, qui fera plaisir d'abord aux militants historiques de la droite nationale et du Front National, mais qui peut être utile à des étudiants, à des journalistes et puis j'espère aux générations suivantes. Oui, bien sûr, parce que quand je vous ai présenté, j'ai quand même oublié l'essentiel, c'est qu'avant d'avoir créé le Parti de la France, vous êtes resté de nombreuses années au Front National et en fait vous revenez sur ce parcours dans votre livre en long et en large, et c'est très intéressant. J'ai oublié aussi de présenter mon chroniqueur, évidemment, Geoffrey Marot, qui a également lu votre livre et qui vous posera également des questions. Moi, j'ai une première question, en fait, je la pose à tous les invités d'importance, c'est vraiment le sentiment national. Comment il est né en vous? Parce qu'il y a des anecdotes dans le livre qui montrent que très jeune, en fait, vous aviez déjà ces idées. Et finalement, ce n'est pas commun, si jeune, d'être nationaliste, patriote. Oui, alors, en effet, moi, j'étais parmi les jeunes de ma génération, au collège, au lycée, certainement, un peu isolé. Et ma passion pour l'engagement national est née de ma passion pour l'histoire. C'est l'étude de l'histoire, c'est l'intérêt que j'avais étant collégien et lycéen de l'histoire qui m'a amené finalement aux convictions nationales. Donc, c'est l'étude de l'histoire qui m'a amené à ces convictions nationales. Par ailleurs, je suis issu d'une famille alsacienne qui a quitté l'Alsace après la défaite de 1870 contre les Prussiens, d'une famille que l'on dénomme les optants, ceux qui optent pour la France, et donc ils se sont réfugiés politiquement en quittant l'Alsace en Normandie, et ils ont fait souche en Normandie. Donc peut-être que cette situation familiale, cette spécificité familiale, si vous voulez, le choix de la France, a joué dans mon engagement national. Donc très jeune, j'ai considéré qu'il fallait défendre l'idéal national, l'unité nationale, l'identité nationale, les valeurs nationales. Et par ailleurs, parallèlement à cela, l'un des éléments aussi de mon engagement, c'était l'anticommunisme. C'est un élément structurant, parce qu'il faut bien se remettre dans le contexte des années 70. Et nous sommes quelques années après mai 68, et toute l'intelligentsia, ou prétendue telle, est de gauche ou d'extrême-gauche. Les plus modérés étaient les socialistes. Moi, j'ai connu au lycée, vous avez des trotskistes, des maoïstes, des anarchistes, des communistes, des socialistes. La droite de ces gens-là étant le Parti Socialiste. Donc, vous voyez, voilà le contexte intellectuel d'un collège, d'un lycée public des années 70. Et face à cela, j'étais réellement un rebelle, opposant à cette idée dominante. Parce que bien sûr, bon, moi j'ai un public assez jeune, il faut bien se replacer dans le contexte, il faut bien comprendre qu'à cette époque, il y avait un certain nombre d'intellectuels très connus à la télévision qui étaient ouvertement communistes. Il n'y avait pas encore eu, on va dire, au niveau des goulags, on ne savait pas tout ça. Et en fait, d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen était aussi une personne qui a beaucoup mis en avant toutes les horreurs, toutes les atrocités du communisme. Donc vous étiez en lutte idéologique très jeune, finalement, face à ça. Oui, alors je raconte une anecdote dans le livre. J'avais un professeur de philosophie qui un jour arrive en cours et il y avait un gilet tricoté et sur la poche, il y avait 3 M.
M. Et tu, donc, nous lui demandons, mais qu'est-ce que ça veut dire, les trois poches? Et il nous répond, devant ses élèves de terminale, Mao, Marx, Mao, Marcuse. Donc, les trois M, professeur de philosophie en terminale. Voilà un exemple, mais banal, je dirais, d'un comportement d'un enseignant durant les années 70. Il faut voir aussi qu'au moment où Solzhenitsyn sort l'archipel du Goulag, c'est présenté par la gauche et l'extrême gauche comme un produit contre-révolutionnaire émanant de la propagande de la CIA. Il faut bien se remettre dans ce contexte-là. La dictature intellectuelle, le monopole intellectuel porté par la gauche et par l'idéologie marxiste est total. Nous sommes dans les années 70, à une période où le Parti socialiste et le Parti communiste viennent de créer les conditions de l'union de la gauche, qui permettra finalement, en 1980, à François Mitterrand de devenir président de la République. Donc voilà, intellectuellement, culturellement, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, parmi la presse et dans la vie politique, la gauche est dans une phase ascendante. D'une certaine manière, Giscard d'Estaing était la dernière étape précédant l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et pour répondre à votre question, deuxième élément qui a motivé mon engagement national, c'est que j'avais un mépris souverain pour le libéralisme dit avancé de Giscard d'Estaing. Et nous appelions ça le libéralisme faisandé. Giscard était l'incarnation déjà d'une fausse droite très libérale, très mondialiste, qui avait tourné le dos aux valeurs et qui faisait preuve d'une grande complaisance intellectuelle à l'égard de la gauche. On avait le sentiment qu'ils avaient abandonné le terrain culturel à la gauche en prétendant garder le terrain politique et économique. Mais intellectuellement, la gauche avait déjà gagné dans les années 70 et Giscard finalement a été battu en 1981. Ce que vous dites aussi dans le livre, c'est que assez jeune, vous avez été séduit par la personnalité de Jean-Marie Le Pen. Vous avez été en quelque sorte, excusez-moi du mot, mais un peu supporter. Et c'est aussi étonnant de voir à quel point jeune vous aviez été motivé. Qu'est-ce qui vous a emballé chez lui? C'est sa personnalité? C'est le discours? Qu'est-ce qui... En fait, je cherchais, moi, quand j'avais 18, 19 ans, 20 ans, je cherchais une structure pour pouvoir m'engager politiquement. À la fin des années 70, vous aviez deux organisations politiques qui représentaient un peu nos idées nationales et patriotes ou nationalistes. C'était le Parti des Forces Nouvelles et le Front National de Jean-Marie Le Pen. Bon, ensemble de mes camarades aujourd'hui ont fait un passage au PFN et puis on rejoint le Front National. Moi, je suis allé directement au Front National parce que j'étais convaincu qu'il fallait à la tête de l'organisation quelqu'un qui ait une légitimité politique, historique. Or, il se trouve que Le Pen avait été député de Poujadiste, et qu'il avait été candidat à l'élection présidentielle de 1974. Les plus jeunes qui nous regardent, qui souhaitent voir ces images, peuvent retrouver cela. On voit Le Pen avec un bandeau faire campagne. Il obtient 0,74% des voix des suffrages exprimés. Bref, mais c'était une personnalité, déjà une personnalité forte, encadrée de dirigeants qui s'étaient engagés pour tous les combats patriotiques, en particulier au moment de l'Indochine et de l'Algérie. Donc j'ai fait le choix du Front National, en particulier du fait de la personnalité de Jean-Marie Le Pen, que je ne connaissais pas, mais simplement par réalisme. Je dirais Le Pen avait les caractéristiques, les qualités, me semblait-il, qui permettaient d'avoir un leader politique, et pas simplement de rejoindre une organisation activiste ou politique. Alors, au début, effectivement, vous l'avez signalé, le Front National faisait des scores assez faibles. Et moi, j'aimerais savoir quel était votre état d'esprit à l'époque. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous disiez finalement que c'était? Vous combattiez pour l'honneur ou vous disiez vraiment à un moment donné, on va y arriver, on va exploser, vous sentiez un bouillonnement C'était une organisation qui me fait penser au Parti de la France aujourd'hui. C'est-à-dire une organisation absolument militante et bénévole. Et donc ce sont des hommes et des femmes, des militants qui s'engagent pour leurs convictions. Nous étions engagés contre le communisme, pour l'idéal national. Et donc on ne se posait pas la question de savoir s'il y avait des perspectives électorales, n'est-ce pas? Pour nous, l'élection n'était qu'un moyen, un passage, un moment de l'engagement politique, l'instrument, la possibilité de nous adresser aux Français. Mais la réalité, c'est le combat politique sur les idées. Et donc voilà, nous voulions construire une organisation capable de porter notre idéal, nos convictions, les élections étant l'instrument. Lorsque nous passions la barre des 1%, nous fêtions cela dignement. C'est-à-dire que
au-dessus de 1% des suffrages exprimés, c'était un succès. Il faut bien, se rendre compte qu'en politique, les organisations qui obtiennent plus de 1% des voix représentent déjà quelque chose dans l'opinion, sûr, n'est-ce pas? Si vous faites 0,3, vous ne représentez rien. Mais si vous êtes à 1 ou à 1,1 ou à 0,9, vous êtes déjà représentatif d'une petite sensibilité. Et donc, c'est autour de cette sensibilité patriotique et nationale de la fin des années 70 et que finalement, les choses se sont cristallisées. D'accord. Au début des années 80, permettant l'émergence du Front National de Jean-Marie Le Pen. Donc, un engagement militant, nous avions 20 ans, moi j'avais 20 ans, oui. Les plus anciens avaient connu les combats d'Indochine et d'Algérie. Je rappelle tout de même que parmi les dirigeants qui étaient au Front National et qui sont aujourd'hui au Parti de la France, je pense par exemple à Roger Olyndre. Roger Olyndre, qui était un tout jeune résistant, qui avait été jeune engagé en Indochine, s'est engagé pour l'Algérie française, a fait 3 ans et demi de prison. Pour ses idées, alors qu'il n'était pas pied noir, n'est-ce pas? Il n'avait rien à gagner, tout à perdre. Si vous expliquez aujourd'hui à un jeune qui sort de Sciences Po Paris ou de l'ENA qui risque de faire un peu de prison pour ses idées, il va partir en courant, n'est-ce pas? Bon, tout ça pour vous dire que c'est un état d'esprit. C'était un état d'esprit et c'est toujours un état d'esprit. Si les idées nationales ne sont pas un idéal, eh bien, elles sont contraires à l'éthique du combat national. Donc, moi, je crois que les valeurs de l'engagement, du service, du risque pris, font partie du combat national. Donc, voilà, c'est une entreprise militante avec une grande camaraderie autour de Le Pen dans les années 70. Des hommes et des femmes de conviction. Voilà, nous ne savions pas si un jour ou l'autre, nous obtiendrions des résultats électoraux, mais à la limite, c'était nous combattions, c'était nous engagions. Voilà. C'était à la fois un engagement et puis une passion aussi, la passion politique, évidemment. Et alors, donc, au milieu des années 80, il y a eu une percée de Jean-Marie Le Pen, quelques émissions de télé mythiques qui ont propulsé le Front National, et tout à coup, il y a eu vraiment une envolée. Alors, de l'intérieur, comment ça s'est passé il y a dû y avoir un engouement. Alors, ce qui se passe déjà, c'est comme toujours, c'est qu'il faut des conditions historiques. Oui. Bon. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu un certain nombre de conditions historiques, le Front National de Jean-Marie Le Pen serait resté à 0,7% des voix. Jean-Marie Le Pen n'était pas moins bon orateur en 1974 qu'en 1984. Oui, oui, oui. Bon. Donc, ce sont les conditions historiques qui ont permis l'émergence. Quelles sont ces conditions historiques ? Principalement, premièrement, l'arrivée de la gauche au pouvoir. L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 avec une coalition socialo-communiste. Donc, plusieurs ministres communistes dans le gouvernement de Pierre Mauroy, premier gouvernement de François Mitterrand. Donc, dans l'opinion, un choc, l'arrivée de la gauche au pouvoir, l'arrivée de ministres communistes au gouvernement, un véritable choc et une réaction antisocialo-communiste. C'est un des éléments du succès du Front National, une réaction de l'opinion face à une situation nouvelle. Deuxième élément qui ont permis l'émergence politique dans les années 80, la prise de conscience de la réalité de l'immigration et de l'insécurité. Oui. Donc le début des années 80, ce sont les années d'immigration qui commencent à être importantes, d'insécurité et de chômage. Immigration, insécurité, chômage, socialisme et communisme, voilà les ingrédients qui ont permis à l'opinion de se cristalliser autour de nos valeurs. Et nous avions la chance d'avoir des conditions historiques, mais surtout d'avoir à la fois l'appareil, l'organisation et l'homme qui était capable de canaliser cela. C'est un petit peu comme si vous jouez un match de rugby. Tant que vous n'avez pas d'ouverture, vous n'avez pas d'ouverture. Vous avez beau y aller, ça ne passe pas. C'est un ensemble de facteurs, en réalité. Et d'un seul coup, il y a une ouverture. Encore faut-il, lorsque l'ouverture se présente, être en mesure d'avoir les hommes, d'avoir l'organisation et d'avoir le leader capable de canaliser une réaction populaire. Donc voilà, le Front National de Jean-Marie Le Pen émerge au début des années 80, en particulier en 1983, élection municipale à Paris dans le 20e arrondissement, puis à Dreux avec Jean-Pierre Stirboire à l'automne 83. Et l'élection de Dreux à l'automne 83 est une élection partielle. D'accord. Sur laquelle se cristallise, se concentrent tous les médias. Et il se trouve que Stirboire fait l'alliance à la base entre le Front National, le RPR et l'UDF, ce qui crée un événement politique majeur et un déchaînement médiatique hostile au Front National et à cette entente avec le Front National. C'est ce qu'on a appelé le coup de tonnerre de Dreux. C'est autour de cette logique d'union à la base que nous avons réussi à créer un petit peu un impact médiatique majeur qui a permis ensuite, en 1984, la percée aux européennes. Oui.
Il y a eu également, je ne sais plus exactement quelle est l'année, mais il y a eu une émission de Jean-Marie Le Pen qui est depuis devenue culte, qui est souvent repassée, je crois que c'est L'Heure de Vérité ou quelque chose comme ça. Et il me semble que ça correspond aussi à une période où, pour la première fois, il y a une cohabitation au pouvoir entre la gauche et la droite. Et je me demandais si... Est-ce qu'à votre avis, les Français, ça n'a pas été le début un peu de... Ils ont été un peu déroutés, ils se sont dit finalement la politique actuelle ne va pas. Parce qu'on a tout à coup on a un président de gauche, mais le Premier ministre est de droite, alors on ne sait plus qui dirige vraiment le pays. La première heure de vérité se passe en 84, nous ne sommes pas encore en phase de cohabitation. D'accord, oui. Après le succès des municipales, et 1984, première heure de vérité, là les Français découvre Jean-Marie Le Pen, qui d'ailleurs à cette occasion se lève en pleine émission pour faire une minute de silence aux victimes du communisme. Tout à fait, oui. N'est-ce pas? Oui. Et devant des journalistes totalement interloqués, ne sachant pas quoi faire de leur micro, de leurs mains, de leurs poches, regardant en haut, en bas, dans tous les sens. Donc voilà, il a réussi un impact médiatique extrêmement important à ce moment-là. Mais pour répondre à votre question, en effet, à partir de 86, il y a eu une succession de phénomènes de cohabitation. Oui. Or, ces phénomènes de cohabitation, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un président de la République de gauche et un premier ministre de droite. En 1986, c'était Jacques Chirac qui était premier ministre. Le président de la République était François Mitterrand. Donc, évidemment, ces phénomènes de cohabitation dont nous étions évidemment exclus, et pour cause, nous permettaient, c'était un élément important, de dénoncer l'ensemble du système, puisqu'ils s'organisaient ensemble pour mener les mêmes politiques. Oui. Donc, d'élection présidentielle en élection présidentielle, d'élection législative en élection législative, jusqu'au passage au quinquennat, donc récemment, tout à fait, ouais. Il y a eu en effet toute une série d'épisodes de cohabitation qui ont permis au Front National d'apparaître comme une force alternative à l'ensemble du système. Oui, oui. Les choses ont changé après le passage au quinquennat. Depuis que nous sommes passés au quinquennat qui remplace le septennat présidentiel, les phénomènes de cohabitation ne fonctionnent plus d'une certaine manière puisque les élections législatives ont lieu systématiquement dans la foulée de l'élection présidentielle. Donc, jusqu'en 2012 en particulier, en effet, il y a eu un positionnement du Front National qui était clairement un positionnement anti-système, anti-classe politique dans son ensemble. Oui. Validé, je dirais, par les cohabitations. Oui, oui. Alors, donc, le Front National a continué de progresser un petit peu par palier. Et puis, je voudrais qu'on aborde maintenant une période qui nous a marqué. On est trentenaire avec mon ami Geoffrey. Et pour nous, 2002, ça a été vraiment un choc. Enfin, moi, c'est ce qui m'a ouvert à la politique. Vraiment, on ne s'y attendait pas. C'était une surprise phénoménale. Et on a ressenti vraiment une vibration. Et moi, ce que je veux savoir, c'est que. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, on va y arriver, on va obtenir le pouvoir? Pas forcément en 2002, mais vous vous dites, on est sur une dynamique, ça va se produire. Quel est votre état d'esprit à ce moment-là? Non, moi, en 2002, je savais que nous ne pouvions pas gagner. D'accord. J'ai eu ce sentiment-là en 1988. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, 2002, c'est l'aboutissement d'un engagement qui est celui de l'engagement personnel de Jean-Marie Le Pen. C'est le point d'orgue. Il arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais à la vérité, les grandes années de montée en puissance du Front National, les années durant lesquelles nous avons espéré réellement faire la différence et réaliser les percées décisives, c'est 1986, 1987, 1988. Oui. N'est-ce pas? En 82, le Front National électoralement ne représente rien. En 1984, il envoie 10 députés européens au Parlement de Strasbourg. En 1986, il a 35 députés à l'Assemblée nationale du fait de le mode de scrutin à la proportionnelle. Donc là, nous assistons à un véritable montée en puissance exceptionnelle. C'est-à-dire que nous sommes passés de 0,7% à 10, 12, 14% en quelques années. Et réellement, nous avons pensé à ce moment-là, nous étions jeunes militants, jeunes élus, nous avons pensé pouvoir faire la percée décisive. D'accord. Et accéder au pouvoir. Il s'est trouvé qu'il y a eu un événement qui a cassé cette dynamique, qui a été l'affaire dite du point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Alors vous étiez extrêmement jeune. Oui, oui, oui. Mais cette affaire a été l'occasion de monter une campagne de tir de barrage jamais connue depuis, sauf entre les deux tours peut-être de l'élection présidentielle de 2002, qui a cassé la dynamique du Front National. Donc après, en 88, Jean-Marie Le Pen, à l'élection présidentielle, arrive en troisième position.
Mais je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu cette campagne, oui. Du point de détail, il aurait été qualifié au deuxième tour de l'élection présidentielle face à Mitterrand. D'accord. En 1988. Les chiffres sont les suivants. Chirac obtient 19%, Raymond Barre obtient 17% en 1988, Le Pen obtient 15%. Après un tiers de barrage de plusieurs mois, mais dont on ne mesure pas si on ne l'a pas vécu, la réalité de la puissance, malgré le lynchage. Cela, il y a eu quand même 15%. Et en dépit de cela, ouais. Il fait 15%. Et sans le point de détail, je suis convaincu absolument, et sans cette campagne, qu'il serait allé au deuxième tour. Dans ces conditions-là, réellement, en 1988, les conditions historiques aurait pu nous permettre de faire la percée décisive. Alors, ça ne minimise pas le succès de 2002 que vous avez connu. C'est un point d'orgue, c'est une immense satisfaction pour nous tous. C'est l'aboutissement de décennies de combats. Mais déjà en 2002, oui. Il faut savoir que la perspective de victoire n'était pas possible. C'est pas sûr. Pourquoi elle n'était pas ? C'est ça la question. Pourquoi elle n'était pas possible ? Mais parce que, le phénomène de marginalisation, de lynchage médiatique, d'exclusion du Front National, de subversion politique avait été tel depuis les années 80 que nous étions d'une certaine manière parqués sur un espace qui était délimité et dont il était impossible de sortir puisque l'ensemble des forces du système politico-médiatique française avait décidé de maintenir le Front National dans ces structures-là et de combattre frontalement tout idéal national. Alors ça, c'est la question c'est un processus subversif. Vous savez, il y a des théoriciens de la subversion révolutionnaire. Bon. Ceux qui sont des spécialistes de la subversion révolutionnaire expliquent que pour détruire une organisation, un État, une organisation politique, un certain nombre de méthodes, de pratiques, de techniques, la première consiste à discréditer le leader. Voilà ce qu'ils ont fait avec Le Pen, à isoler le mouvement ou isoler l'organisation, éviter toute alliance, à ridiculiser les thèmes et à diaboliser et à culpabiliser l'opinion. Donc ils ont pratiqué à l'égard du Front National depuis le début des méthodes de subversion médiatique et révolutionnaire visant à essayer de détruire l'idée nationale. Le Front National de Jean-Marie Le Pen de ces années était l'instrument, l'outil de l'idéal national. En fait, il s'attaquait au Front National de Le Pen non pas parce que c'était Le Pen ou le Front National, mais parce que nous portions l'idéal national, le principe national, les valeurs nationales. Et pour ces gens-là, du système, la destruction du principe national lui-même est une obligation, une nécessité, un objectif. Ils veulent construire un système politique, un système mondial, un système social, débarrassé des identités des peuples et débarrassé des structures historiques nationales issues du passé. Bon. Donc voilà, tout cela pour dire que c'était même presque un miracle d'une certaine manière que la droite nationale, par le biais du Front National, ait pu survivre, pu vivre et pu tenir aussi longtemps. Oui. Mais si vous pensez cela dès 1988, pourquoi avoir continué alors s'il n'y avait plus d'espoir ? Ah non, j'ai pas dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Je dis que en 1988, après l'affaire du point de détail, nous savions que le combat serait beaucoup plus difficile. Si vous voulez, nous étions passés de 0,5 à 12 en 4 ans. Et nous avions espéré passer de 12 à 25 encore en 2 ans ou en 4 ans. Après le coup d'arrêt de cette campagne de presse, nous savions que là, la progression pourrait se faire. Mais elle ne pourrait plus se faire de manière aussi fulgurante, aussi rapide. Elle devrait se faire par la construction, par l'organisation à la base, par l'implantation locale. Donc ensuite, à partir de 88, nous avons... c'était la période où je suis devenu secrétaire général, où je travaillais en binôme avec Bruno Maigret. Nous avons travaillé de manière considérable à créer un appareil, une organisation, un outil performant, avec des techniques de formation, d'encadrement, d'agitation, de manière à ce que le Front National devienne un véritable instrument de combat politique, instrument de conquête du pouvoir. Mais la perspective d'une victoire rapide, facile, d'une certaine manière, c'était évaporé après 1988. Moi, j'ai une question qui va peut-être vous troubler, mais... Lorsqu'il y a eu l'histoire du point de détail, est-ce que vous en avez voulu à Jean-Marie Le Pen ? Est-ce que vous vous êtes dit finalement, c'est de cette sortie, il aurait pu s'en passer ? Comment vous l'avez...
En fait, le, si vous écoutez l'émission, vous apercevez que Jean-Marie Le Pen, c'était pas quelque chose d'organisé, de prévu, oui, n'est-ce pas? C'était, et en fait, il voulait probablement dire que c'était un des événements de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Et donc, le choix du mot a été c'est clairement maladroit. Et donc, d'ailleurs, la presse a mis 48 heures avant de repérer. Bien sûr, oui, tout à fait. Et ensuite, ils ont transformé le sens de ce que vous voulez dire. Bien sûr, parce que. Bon, voilà, donc après, c'était irrécupérable. Dire aux spectateurs qui nous écoutent, la plupart n'ont pas regardé la vidéo en entier. Ce que dit Jean-Marie Le Pen, c'est que le modus operandi, c'est-à-dire la manière dont sont morts les Juifs, est un détail. Il n'a pas dit que la mort, on va dire, ou les camps de concentration eux-mêmes étaient un détail de l'histoire. Finalement, maintenant, c'est devenu ça dans la tête des gens. Oui, non, il y a eu un véritable procès d'intention. Et puis, oui. Vous savez, vous prenez une phrase, vous en sélectionnez un tronçon, un passage, et puis vous faites dire à n'importe qui le contraire de ce qu'il veut dire. Bon, oui. Donc, cette opération médiatique a été irrécupérable. On n'a pas pu la contrer. Oui. Nous n'avons pas pu la contrer. Jean-Marie Le Pen, deux jours après le lancement de la campagne, il était député à l'Assemblée nationale à ce moment-là, a tenu une conférence de presse à l'Assemblée nationale où il a rappelé ses positions. Mais personne n'a voulu l'entendre. N'est-ce pas? Quand vous décidez de passer au lynchage, la personne qui est lynchée, elle est lynchée. Donc ceux qui lancent les cailloux ne s'arrêtent pas, n'arrêtent pas le lynchage. Donc, rien n'était possible. Voilà. Donc nous avons été... Alors, on ne pouvait pas faire ce procès à Jean-Marie Le Pen. Là. Ensuite, il est revenu à plusieurs reprises sur ses propos. Oui. Ça n'était pas nécessairement politiquement utile, mais c'est son caractère. C'est la personnalité de Jean-Marie Le Pen. Oui. Pas, il faut comprendre qu'on ne peut pas non plus être seul contre tous, affronter les obstacles sans avoir un caractère particulièrement forgé et solide. Et chaque trait de caractère a ses avantages et ses inconvénients. Le Pen est un homme qui refuse de se plier aux fourches caudines. Donc, à partir du moment où on lui dit qu'il faut aller dans cette direction-là, il a tendance à aller dans l'autre direction, par principe, voire par provocation. Bon. Donc, le fait de revenir sur cette formule était certainement politiquement inutile, mais c'était son caractère et sa liberté d'expression. Je te laissais poser des questions, mais j'en ai une dernière en ce sens. Lorsqu'il y a eu la scission avec Maigret, est-ce que vous avez une hésitation? C'est-à-dire que justement, dans cette logique, est-ce que vous êtes pas... Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit bah, peut-être que c'est l'occasion de repartir à zéro, sans cette étiquette, sans ce boulet au pied. Quelle a été votre position à ce moment-là? Non, à aucun moment, mais moi j'ai essayé d'éviter la scission. C'est-à-dire que, moi je me suis engagé en politique et je continue de le faire aujourd'hui en faisant ma traversée du désert, c'est la deuxième. J'ai connu la traversée du désert avec le Front National jusqu'en 84. Maintenant je connais la traversée du désert avec le Parti de la France. Mais pour une raison simple, c'est que je m'engage en politique pour avoir la liberté de défendre mes convictions et mes idées. Or, avec Jean-Marie Le Pen, j'ai toujours eu le sentiment qu'il défendait mes convictions et mes idées. Et donc, à un moment où s'est présentée la question de la scission, la fracture, la division avec l'équipe de Bruno Maigret, à aucun moment je n'ai envisagé de quitter le Front National de Jean-Marie Le Pen. D'accord. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'éviter la scission, d'éviter la fracture, de discuter avec les uns, avec les autres. Mais quand les processus de rupture sont déjà engagés, vous n'arrivez pas à les arrêter. Ça, c'est une expérience vécue. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours bien réfléchir à deux fois ou à trois fois avant d'engager des processus de rupture ou de conflit. Parce qu'une fois que le processus de conflit est engagé, vous n'arrivez pas souvent à les arrêter. Ça peut devenir après un conflit de personnes, ça dépasse le cadre politique. Voilà. Donc cette scission a été une catastrophe, cette fracture a été une catastrophe pour la droite nationale, puisque nous avons perdu la moitié des cadres, la moitié des militants, nous avions une dynamique considérable. En 1998, le Front National était une organisation puissante, avec des conseillers régionaux dans toutes les régions, des cadres formés, donc des intellectuels, des journalistes, bref, une véritable organisation de combat politique autour des valeurs nationales. Et cette fracture nous a affaiblis clairement et je l'ai regretté. Mais je n'ai jamais envisagé suivre l'équipe de Bruno Maigret. D'accord.
parce que je n'avais pas, moi, à me plaindre des choix politiques de Jean-Marie Le Pen. Ah, d'accord, oui. Les idées de Le Pen, il avait tenu la ligne, il avait mené sa bataille, il a eu le courage de le faire à une période où il était seul. Et donc, voilà, je n'avais aucune raison politique de fond, vous voyez, je comprends. À rompre avec Jean-Marie Le Pen. D'accord. Mais est-ce que tu veux aborder... Oui, moi, je ne me souviens pas très bien des raisons précises qui ont poussé Bruno Maigret à vouloir quitter le Front National, faire une scission. Mais enfin, avec du recul, il a quand même eu raison, puisque ce qui est devenu le Front National, après 2007, après Marine Le Pen, tout ça, c'est un immense gâchis. Et donc, est-ce que Bruno Maigret n'avait-il pas raison à terme dans sa décision ? Je ne crois pas. Moi, je revois Bruno Maigret régulièrement, assez souvent. En fait, la divergence n'était pas une divergence d'idées. C'était une divergence de stratégie et d'image. Bon, Bruno Maigret avait fait le constat qu'on partageait les mêmes idées que le Front National de Jean-Marie Le Pen. Mais pas de divergence de fond. Mais lui était sur une stratégie qui se voulait plus, peut-être plus conciliante médiatiquement. Et donc, il faisait le procès à Jean-Marie Le Pen de ses déclarations et de ses provocations. Donc, c'est vraiment sur une, me semble-t-il, hein, principalement sur une question de tactique et de stratégie plutôt que sur une question de fond. Alors, j'entends un certain nombre de journalistes aujourd'hui dire que Marine Le Pen a réussi, a fait ce que Bruno Maigret voulait faire. Mais c'est absolument faux. Parce qu'il y a une très grande différence entre Bruno Maigret et Marine Le Pen. C'est que Bruno Maigret est un homme de droite nationale. Bruno Maigret partage nos convictions, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen, n'est-ce pas ? Donc, cette fracture de 98, pour en finir, ou pour résumer, a été une catastrophe. Et j'aurais préféré qu'il reste dans la structure du Front National. Et je pense que nous aurions gagné beaucoup de temps. D'accord. Je continue ? D'accord. Je t'en prie, vas-y. Très bien. Pardon. Quelle est la position du Parti de la France concernant les immigrés assimilés à la culture française ? Il en existe, bien sûr. Êtes-vous pour les faire rémigrer alors même qu'ils n'ont ni casier judiciaire ni religion islamique ? Alors, dans toute l'histoire de l'immigration, oui, déjà, il faut faire, me semble-t-il, hein, une grande distinction entre les étrangers devenus français qui sont d'origine européenne et les autres. Les immigrés qui sont d'origine européenne se sont aujourd'hui assimilés à la nation française. Je pense aux immigrés italiens, portugais, polonais. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y avait beaucoup de polonais, etc., dont certains cadres qui sont aujourd'hui au Parti de la France. Ils se sont fondus dans le creuset national. Dans le creuset national. Parce que leur valeur de civilisation est comparable aux nôtres, c'était les mêmes. Origine européenne, valeur de civilisation chrétienne, voilà. Donc il est très facile pour ces populations-là de se fondre dans le pays d'accueil. Et c'est un choix d'assimilation. Mais ce choix d'assimilation, je constate aujourd'hui qu'il n'est pas fait par beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez affaire à une immigration qui n'est pas européenne, qui est quelquefois d'origine religieuse musulmane, et que pour une part, ces gens-là ne veulent pas se fondre dans le creuset national. Il ne s'agit pas de devenir français en acceptant la culture française, les traditions françaises, les coutumes françaises. Il s'agit de vivre en France selon d'autres règles communautaires. Il s'agit de ne pas se fondre dans la communauté nationale du peuple français, mais il s'agit de vivre selon les règles d'une autre communauté. Et à partir de ce moment-là, quand il n'y a pas une volonté affichée d'assimilation, se créent les conditions de la désintégration nationale, les conditions de la perte de l'unité nationale. Or moi, je suis certain que la perte de l'unité nationale nous conduit au conflit. Donc voilà, pour répondre à votre question, ceux qui sont étrangers, qui viennent en France et qui aiment la France et qui souhaitent se fondre dans le creuset national français avec sa culture, ses traditions, son histoire, eh bien, peuvent le faire. Être français, ça s'hérite ou ça se mérite. Mais ceux qui ne le veulent pas et qui veulent vivre selon leurs propres coutumes chez nous, eh bien, me semble-t-il, feraient mieux de retourner dans leur pays d'origine. C'est ce que j'appelle le RAP migratoire, le retour au pays de ces populations-là, de manière à ce qu'elles puissent vivre selon leurs coutumes, leurs traditions et leur mode de vie. Hein. Donc voilà. Donc voilà, pour répondre à votre question, n'est-ce pas, la France est constituée de populations qui se sont finalement retrouvées sur l'extrême occident des territoires européens, n'est-ce pas, de grandes invasions, qu'il s'agisse de grandes invasions
germanique du 5e siècle. Il s'agit d'abord des invasions romaines sur un territoire celte, les Celtes étant eux-mêmes arrivés sur ce territoire d'extrême Occident, 5e, 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Bref, un creuset national, un creuset de population, un creuset sur une terre de France qui a, au fil des siècles, et en particulier grâce au travail persévérant, continu de la monarchie française, réussi à constituer d'abord un royaume de France, puis la France et l'identité française, à des populations qui arrivent et qui se fondent dans ce creuset national. Donc moi, je crois à cette notion de creuset national. Ceux qui viennent en déclarant qu'ils aiment la France et qu'ils veulent vivre en France selon les traditions françaises et les coutumes françaises, eh bien, sont les bienvenus, s'ils respectent nos lois. Mais les autres devront retourner, me semble-t-il, chez eux, d'où la politique nécessaire de retour au pays, de remigration, qui me paraît d'ailleurs être conforme à l'intérêt des pays en question. Oui. Je t'ai repris le micro parce que, en fait, je voudrais continuer un peu sur la chronologie et je me suis rappelé que tes questions étaient assez thématiques. Parce que, bon, dans votre livre, bien sûr, la question de Marine Le Pen est abordée de manière assez importante parce que, après l'élection 2002, elle s'impose comme ça un peu au Front National et à ce moment-là, il y a un changement tout de même, quoi. Et bon. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne de 2007? Parce qu'en 2007, Jean-Marie Le Pen est toujours le président du Front National, c'est le candidat à l'élection présidentielle. Et tout de même, dans le discours, il y a un changement, on sent un changement, on sent en tout cas stratégiquement une volonté de changement. Le discours de Valmy. Voilà, le discours de Valmy, la dalle d'Argenteuil. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça à ce moment-là? Écoutez, moi, 2007, c'est l'année où je sais que je ne travaillerai jamais pour Marine Le Pen. D'accord. Bon. Parce qu'elle dirige la campagne présidentielle de Jean-Marie Le Pen et elle fait faire à Jean-Marie Le Pen une campagne présidentielle qui est un contresens politique absolu. Mmh. C'est-à-dire qu'au moment même où Nicolas Sarkozy, candidat, fait une campagne sur le thème de l'identité nationale, entre autres, et de la sécurité, Marine Le Pen fait faire à son père une campagne qui est déjà une campagne souverainiste de gauche, une campagne de type chevènementiste. Mmh. Ce que je vous dis aujourd'hui, je le disais à l'époque, n'est-ce pas? Bon. Et donc, en fait, Jean-Marie Le Pen, comme il s'agissait de sa fille, je crois qu'il a laissé faire. Je crois que Jean-Marie Le Pen était candidat, sa fille était directrice de campagne, il a laissé faire sa fille. En fait, Marine Le Pen a fait faire en 2007 à son père ce qu'elle souhaitait faire elle-même. Je comprends, oui. Mais ça semble quand même incompréhensible de l'extérieur. Jean-Marie Le Pen, quelqu'un de très intelligent. On se dit, mais pourquoi est-il parti sur cette piste? Pourquoi il n'a pas écouté peut-être d'autres voix au sein du Front National? Il a vraiment dû croire à un moment donné que ça allait lui apporter la victoire électorale, sinon il n'aurait quand même pas suivi... Écoutez, non. En fait, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'après 2002, et l'entre-deux tours de la campagne présidentielle de 2002, qui a été presque aussi violent que la campagne suite au point de détail, Le Pen, Jean-Marie Le Pen savait qu'il ne serait pas président de la République. Donc ça, c'est une donnée objective. Et donc en 2007, il est candidat à l'élection présidentielle, il sait très bien qu'il ne fera pas mieux qu'en 2002. Oui. Bon, et qu'il a 5 ans de plus. Oui. Bon, ça n'est pas rien. Jean-Marie Le Pen est né en 1928. Et donc, il laisse faire sa fille. Il est encore président du Front National. Il est candidat à l'élection présidentielle parce que Marine Le Pen était trop jeune pour l'être et qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre que lui-même ou que sa fille soit candidat à l'élection présidentielle. Donc, il laisse faire à sa fille une campagne présidentielle qui, de toute manière, ne pouvait pas lui permettre d'être victorieuse. Oui, n'est-ce pas ? Donc, elle fait une campagne qui est calamiteuse, le contresens politique. Elle laisse Sarkozy gambader sur les thématiques de l'identité nationale, de l'insécurité, en faisant faire à son père une campagne déjà de type chevènementiste, une campagne citoyenne et patriote, n'est-ce pas ? Le discours de la dalle d'Argenteuil en est un exemple, le discours de Valmy avec les petits clins d'œil qui sont envoyés à un certain nombre de forces de la République, tout cela apparaît évident pour nous tous. Mmh. Donc moi, dès 2007, lorsque j'ai vu Madame Le Pen à l'œuvre, comme directrice de campagne, je savais que dans tous les cas de figure, je ne suivrais pas cette femme en politique. Oui. C'était tout à fait exclu. Oui, et finalement, ça a été les prémices dans votre esprit de la création du Parti de la France. Vous êtes dit là, je ne suis plus représenté. Et quelque part, voilà, ça a été le début un peu de l'aventure. Oui, bien sûr. Et écoutez, je n'ai pas exactement la phrase exacte en tête, mais je me souviens très bien d'une anecdote. Un jour, en séance plénière au Parlement européen à Strasbourg,
la veille, j'avais vu dans le Figaro un petit entrefilé à une déclaration de Madame Le Pen qui déclarait « La candidature de Jean-Marie Le Pen est une candidature de rassemblement débarrassée de toute référence historique, culturelle, spirituelle, ethnique et même politique ». C'est-à-dire que c'est une déclaration de Figaro du mois de novembre 2006. Oui. Mais c'était tellement énorme que je la vois, je l'interpelle en disant, mais écoute, parce qu'elle est dans le Figaro hier, je dis, mais ça, c'était à l'opposé absolu de tout ce à quoi je crois et de tout ce pourquoi nous combattons depuis 30 ans, ce que tu viens de dire. Et elle me regardait narquoise avec un demi-sourire sans répondre. Bon, n'est-ce pas ? Ça, c'est l'obsession dite de la dédiabolisation. Oui, oui. Mais n'est-ce pas, il faut comprendre une chose sur cette question de la diabolisation, c'est que cette jeune génération-là autour de Madame Le Pen a cru qu'on pouvait s'auto-dédiaboliser. C'est-à-dire que par un coup de baguette magique, on allait, en ne faisant plus de déclarations contestables, en espérant que d'un seul coup, on allait retrouver une virginité médiatique. Mais c'est une absurdité, c'est une stupidité totale. Parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que dans ce combat politique, c'est un combat politique, c'est un combat d'idées, nous avons en face de nous affaire à des forces politiques qui ont les instruments des médias et qui mènent un combat idéologique, un combat politique. Et donc, ils cherchent, comme je vous le disais tout à l'heure, à montrer du doigt, à culpabiliser, à diaboliser l'adversaire. La diabolisation elle ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de ce qui est d'une opération menée par nos adversaires contre nous-mêmes. C'est un phénomène d'agression politique. Et donc, on ne peut pas décider tout seul que vos ennemis ne vont plus vous attaquer. N'est-ce pas ? Bon. Alors, croire qu'on peut s'auto-dédiaboliser, c'est soit croire que, soit faire preuve d'une grande naïveté, soit considérer qu'on est le diable. Oui. Oui. Bon, mais comme nous ne sommes ni le diable et que nos idées sont tout sauf diaboliques, cette dite diabolisation est le fruit d'une agression, d'une campagne, d'une opération idéologique et médiatique menée par les ennemis du courant national. Une fois qu'on a compris cela, alors que fait-on ? Eh bien, sur les questions de fond, sur l'essentiel, on ne recule jamais, sur rien. On n'accorde jamais rien aux idées de nos adversaires. On les affronte, on les combat, on les dénonce. Mais on fait en même temps attention à ne pas devenir la caricature que nos adversaires souhaitent de nous-mêmes, n'est-ce pas ? S'il s'agit de nous auto-caricaturer, de nous déguiser de manière folklorique pour être sûr que nos ennemis puissent utiliser ces images-là contre nous-mêmes, on fait le jeu de l'ennemi. Donc quand on s'engage en politique, il faut faire preuve de responsabilité. De responsabilité, de sérieux. Savoir quels sont les enjeux, savoir quelles sont les méthodes qui sont celles de nos adversaires, mais les combattre sur le fond. Or, Le Pen a combattu ses adversaires sur le fond. Marine Le Pen croit de manière stupide qu'elle va se normaliser médiatiquement en donnant des gages en permanence, en reculant sur tout. Et puis comme elle s'est aperçue que ça ne suffisait pas de reculer sur le fond, eh bien elle est arrivée au bout de sa logique. Il a fallu offrir la tête de son père, en gage de bonne volonté. C'est donc, n'est-ce pas ? Moi, j'ai eu le privilège de mener le combat politique pendant 30 ans au Front National de Le Pen. On en a parlé tout à l'heure, connu la traversée du désert, l'émergence, etc., la montée en puissance. Nous avons toujours été combattus de manière absolue, totale et virulente par la gauche et par les gens du système. Ces gens-là ont essayé durant des décennies d'éliminer le Front National et d'éliminer Jean-Marie Le Pen. Eh bien, imaginez leur triomphe, leur joie, la divine surprise pour eux, de voir que Jean-Marie Le Pen se trouve exclu du Front National, qu'il a fondé, et de surcroît exclu par sa fille du Front National. Si vous êtes un journaliste d'extrême gauche ou de gauche, mais c'est là, vous buvez du champagne pendant 3 semaines non-stop, n'est-ce pas ? Donc, c'est vous dire, imaginez un petit peu le parricide, la négation, le reniement absolu, total, l'abjection politique qui consistait à offrir aux gens du système la tête de Jean-Marie Le Pen, qui était par ailleurs qui est son père, à qui elle doit tout politiquement. Voilà, donc là, il y a des gestes en politique, il y a des choses en politique qui sont totalement impardonnables. L'immoralité de cette éviction de Jean-Marie Le Pen, ça, c'est un fait, on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, tout simplement, Marine Le Pen a eu cette naïveté de croire que
en se débarrassant du père, elle allait s'enlever cette étiquette, voyez, qu'avait Jean-Marie. Et en fait, ça a été un échec parce qu'encore aujourd'hui, même s'il n'y a pratiquement plus rien de subversif dans le discours du Front National, on continue de dire que le Front National est fasciste, est nazi, etc. Mais oui, mais bien sûr, mais est-ce que ça ne suffira jamais, oui. N'est-ce pas ? Ça ne suffira jamais parce que derrière tout cela, ils combattent l'idée nationale elle-même. Mmh. Alors sinon, il faut qu'elle supprime le mot « national ». Oui. N'est-ce pas ? Je ne sais pas comment s'appelait le nouveau Front National. Oui, d'ailleurs, oui. Je ne sais pas si le mot national existera encore. Oui, mais, oui. Mais sinon, après avoir eu la tête de Jean-Marie Le Pen, il faut supprimer le mot national. Oui, oui. Elle ne peut pas ne plus parler de la nation. Bon, donc, ça ne suffira jamais, n'est-ce pas ? Si on n'affronte pas idéologiquement nos adversaires, on ne fait que des concessions et donc on ne fait que leur donner raison. Mm-hmm. Chaque fois que vous validez des idées, vous faites des concessions à vos adversaires politiques, eh bien vous les renforcez. Donc c'était une stupidité, une naïveté, une imbécilité de croire qu'on pouvait encore une fois s'auto-dédiaboliser. Mm-hmm. Mais ce qui a été une abjection humaine et politique, c'est le parricide et l'éviction de Jean-Marie Le Pen du Front National. Ça, c'est une tâche morale. Oui. En plus d'une stupidité politique de la part de Mme Le Pen. Elle est, à mon sens, non seulement politiquement discréditée, ce que j'ai toujours cru, mais oui. Humainement et moralement je comprends, discréditée. Ouais. N'est-ce pas ? À un moment ou à un autre, n'est-ce pas, vous faites bloc, vous faites face. Et moi, j'étais un lieutenant avec Gollnisch et puis avant avec Maigret de Le Pen, et nous avons connu des périodes difficiles. Je prends un exemple dont je parle dans le livre. En janvier 2005 ou en février 2005, Jean-Marie Le Pen répond au journal Rivarol et déclare, entre autres, que l'occupation allemande, selon lui, en Bretagne, il l'a vu, n'avait pas été particulièrement inhumaine. Oui. Suite à cette déclaration, sa fille, vice-présidente du Front National, se met publiquement en retrait de toutes les instances du Front National et voit les journalistes en disant qu'elle est en désaccord total avec son père, qu'elle ne vient plus ni au bureau exécutif ni au bureau politique. Nous sommes les lieutenants de Jean-Marie Le Pen. Je suis secrétaire général. Oui. Bruno Gollnisch est délégué général. Que faisons-nous ? Nous faisons bloc. Mmh. Nous tenons la ligne, nous ne lâchons pas le chef quand il est attaqué. Bien sûr. Bon, c'est comme ça qu'on mène un combat politique. Mmh. Question aussi et quel que soit par ailleurs ce que l'on peut penser ou non de cette déclaration. C'est évident, ça décrédibilise le chef. Que On fait bloc ou on s'en va. Mais si on n'est pas d'accord, on s'en va. Oui. On quitte l'organisation en disant, moi je suis en désaccord, je quitte le Front National. Mais on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. On ne peut pas tout à la fois dire aux journalistes qu'on est en désaccord, qu'on est moderne et modéré, alors que autour de Le Pen, il n'y a que des extrémistes et des gens qui ne sont pas fréquentables, et espérer ensuite hériter de la structure. Oui. Front National, c'est pourtant ce qu'elle a réussi à faire, n'est-ce pas ? Oui. Le double langage, le mensonge, la stratégie à deux vitesses. Bref, tout ceci n'a pu fonctionner que pour une seule raison, c'est que Mme Le Pen était la fille de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais accepté le centième de ce comportement de la part de n'importe quel cadre de son parti politique. Mmh. Bref, ceci étant, c'est fait, voilà qui est le passé. Mais, n'est-ce pas, encore une fois, sur ces questions-là, on mène un combat politique, on défend des idées, on fait partie d'une organisation. Tant qu'on est membre de cette organisation, eh bien, on mène la bataille et on se serre les coudes. On ne recule pas, on ne se débande pas et on ne tire pas dans le dos de ses camarades. Oui, oui. J'ai encore posé deux questions en ce sens. Lorsqu'il y a eu l'exclusion de Jean-Marie Le Pen, est-ce que ça vous a conforté à ce moment-là, le Parti de la France existait déjà ? Est-ce que vous vous êtes dit vraiment, j'ai vraiment pris la bonne décision parce que je ne me reconnais plus rien dans le Front National ? J'imagine que... Mais en tout cas, c'était la démonstration vivante, oui. Humaine, que nous avions raison. Mmh. C'était l'illustration parfaite du fait que nous ayons raison. J'ai même sous-estimé, je dois le dire, Madame Le Pen. Moi, j'ai cru... Oui, vous le dites d'ailleurs dans le livre. Que le dernier sur la liste serait Bruno Gollnisch. Qu'après avoir éliminé tout le monde, elle finirait par éliminer Gollnisch. Et je me suis trompé, c'est-à-dire qu'elle a éliminé Le Pen. C'était inconcevable. Oui, vous n'aviez même pas imaginé cela possible. Oui, c'est inconcevable. Ça, non. Bon. Mm-hmm. Donc, voilà, c'était la démonstration que nous avions raison quant aux méthodes. Mais d'une certaine manière, c'est pas, je le regrette. Moi, j'aurais tellement préféré
dans les années 2000 que Mme Le Pen défende nos idées, nos convictions, qu'elle fasse preuve de loyauté, les choses auraient été beaucoup plus faciles. Mais bien sûr, parce que la structure fondamentale était l'héritière de son père. Mais si elle portait nos valeurs, nos convictions et qu'elle avait le caractère, les valeurs humaines nécessaires, c'était tellement plus simple de la suivre plutôt que de partir, n'est-ce pas ? Tout à fait. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les faits nous ont donné raison et ne cessent de nous donner raison. Quand je suis parti en 2009, j'ai déclaré que je n'avais aucune confiance ni politique, ni humaine, ni technique en Marine Le Pen et que je refuserais d'être sur sa liste européenne, eh bien les faits ne cessent de me donner raison. Quand vous dites technique, vous parlez de compétences politiques. Compétences, oui. D'accord. Compétences techniques de travail, d'études de dossiers. Oui, tout à fait, des choses qui ont explosé lors du débat face à Macron. Tout à fait, c'est vrai. C'est l'occasion pour moi de dire, parce que moi, je vous le dis, j'ai soutenu le Front National au moment de la campagne 2017. Et lorsque des personnes comme vous, comme Thomas Joly, critiquaient la compétence de Marine Le Pen, je pensais que c'était, je ne portais pas un vrai crédit à ça. C'est-à-dire que je pensais que vous étiez des adversaires politiques et donc en fait que vous disiez cela pour jouer votre partition. Mais lorsqu'il y a eu ce débat, on a vraiment senti le manque de travail, peut-être aussi le manque de psychologie. C'est une compétence aussi d'être bon en débat. Hein. Mais je crois que les Français s'en sont rendus compte et je ne pense pas qu'il y ait de retour en arrière possible. En tout cas, moi, lorsque j'étais au Front National, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir honte de mes représentants politiques. C'est-à-dire que même jeune militant, lorsque je voyais à la télévision Le Pen ou Marie-France Tirebois ou Jean-Pierre, et plus tard lorsqu'il y avait Gollnisch, Maigret, etc., à aucun moment je n'ai eu le sentiment de honte. Vous êtes parti à temps. On pouvait partir, on pouvait être plus ou moins satisfait, on peut être plus ou moins bon en débat. Tout le monde n'est pas nécessairement bon tout le temps, super fort, n'est-ce pas ? On a des hauts et des bas, il y a des sujets qu'on connaît moins que d'autres. Mais je n'ai, dans ce débat face à Macron, j'ai eu le sentiment de la honte. Tout à fait. On a tous ressenti ça, bien sûr. N'est-ce pas ? Alors que j'aurais pu, d'une certaine manière, cela valider ce que j'avais dit, mais honte, non pas pour Mme Le Pen, c'était sans importance, mais pour tout le combat passé. Parce que Mme Le Pen, si elle se retrouve là, c'est aussi parce qu'elle a été l'héritière d'un Front National. Et ce Front National, il y a eu des militants, des cadres, des élus, alors qu'elle était encore au collège ou au lycée, ou étudiante, n'est-ce pas ? Il y a bien eu des militants qui se sont battus, qui se sont engagés, qui ont pris des risques pour lui permettre un jour de devenir la présidente de ce mouvement et d'en être l'élu. Et là, par ce débat, mais il lui aurait suffi d'être médiocre. Il lui aurait suffi d'être médiocre face à Macron, cela aurait suffi. Parce que Macron n'a pas été extraordinairement performant dans ce débat. Marine Le Pen aurait été médiocre, ça aurait fait match nul. Mais là, elle a été, mais en dessous, catastrophique, c'était incompréhensible. Il me semble, elle est totalement discréditée. Et son image personnelle, elle portera, vous savez, tout le restant de sa vie politique, ce débat. À chaque élection présidentielle, les journalistes nous représentent les grands moments des débats présidentiels. On se souvient, vous savez, dans les années 70, Giscard d'Estaing et vous n'avez pas le monopole du cœur. Et puis, on se souvient plein d'autres choses. Donc, ce débat calamiteux est un débat qui la marque et la discrédite durablement. Il y a également autre chose qui est honteux et qui est même généré du mépris envers elle, c'est quand on l'a vu danser à la fin du deuxième tour, à la fin de la soirée du deuxième tour, on l'a vu danser alors qu'elle était défaite. Et ce qui montre que dans son fort intérieur, elle n'était pas profondément blessée par cette situation. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle a été déconnectée, alors que, évidemment, la seule réaction émotionnelle logique, c'est une forme de deuil, ou c'est une forme de, vous voyez ce que je veux dire, de souffrance. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais pas un fan de Marine Le Pen, mais quand j'ai vu ça, ça m'a profondément ancré cette conviction que c'était une femme immorale, et voilà, ça correspond. Écoutez, moi, je ne suis pas à convaincre, hein, parce que moi, je sais, bien sûr, non, mais moi, n'est-ce pas un combat politique ? Il y a deux manières de concevoir l'engagement politique. Soit vous établissez un plan de carrière, vous sortez d'une école d'administration, d'une école, une belle école, Sciences Po Paris ou autre, et vous décidez de faire une carrière politique. Et donc là, dans ce cas-là, votre seule préoccupation, c'est de savoir comment vous faire élire et où, dans quelle organisation politique, et ensuite comment vous faire réélire. Bon, ça, c'est une manière de faire de la politique.
Mais si vous menez un combat politique sur les idées, sur les valeurs, comme nous le faisons nous, c'est pour ça que j'ai appelé ça un chemin de résistance, mon livre. Parce que c'est une résistance nationale, c'est un combat, c'est très difficile. À ce moment-là, vous devez, me semble-t-il, avoir des cadres ou des chefs ou des camarades de combat qui aient, au-delà de leurs compétences techniques d'élus régionales ou d'élus territoriales ou d'élus nationales, des qualités humaines qui sont les qualités de la camaraderie, de la solidité, de l'amitié, parce que c'est un combat. Voilà, ou si ce n'est pas un combat, c'est comme un match de rugby. Et donc, à un moment ou à un autre, il y a de l'affrontement, il y a de la solidarité entre les camarades. Si vous avez des camarades qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas solides, qui n'ont pas les qualités morales ou intellectuelles ou mentales, eh bien, on ne peut pas leur faire confiance. Bon. Donc, voilà, moi, je crois à la nécessité que cet engagement national se fasse avec d'abord un esprit militant, un esprit de service. Et ensuite, on forme les jeunes, on les forme les cadres, on essaie d'avoir les meilleurs cadres possibles, mais l'éthique doit rester au cœur du combat national, sinon il perd de sa valeur. S'il n'y a pas l'éthique, à ce moment-là, c'est de la politique politicienne. Et si c'est de la politique politicienne, autant laisser les autres la faire. Oui. J'ai une dernière question, après on fera une pause pour des raisons techniques, mais est-ce que vous pensez que, bon là c'est un peu de la prédiction politique, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen va s'accrocher, ou est-ce qu'elle va avoir quand même le bon sens de comprendre que c'est terminé pour elle en fait? Non, moi je suis convaincu que Marine Le Pen doit en vivre de la politique encore pendant 15 ans. Elle a à peine 50 ans, donc il faut qu'elle tienne jusqu'à 63 ou 64. Donc elle va rester en politique pendant les 15 ans qui viennent. Ah oui, vous pensez vraiment. Et elle n'a pas besoin d'être à la tête d'un parti à 25% pour rester élue députée ou députée européen ou députée nationale. Et je suis convaincu par ailleurs qu'elle sera candidate aux élections européennes l'année prochaine en 2019 comme tête de liste, oui. Contrairement à ce qu'elle dit aujourd'hui, et que c'est pour être élu député européen, il suffit de passer la barre des 5% des suffrages exprimés sur une liste nationale. Donc Marine Le Pen, d'une certaine manière, elle était, si vous voulez, aujourd'hui, elle est à la tête d'un autobus en panne, oui. Au milieu d'une voie à sens unique. Et l'autobus n'avance plus, il est en panne, les gens quittent l'autobus, mais on ne peut pas avancer parce que l'autobus bouche le chemin. Ben, c'est exactement c'est ça qui est tragique en fait, c'est qu'elle empêche la représentation d'autres partis nationalistes. Elle empêche le courant national d'exister par sa simple présence, mais elle n'arrêtera pas. Parce qu'il faut qu'elle puisse vivre encore de la politique encore pendant 15 ans. Donc, vous qui êtes jeune et plein d'enthousiasme, dans 15 ans, vous reparlerez peut-être de tout cela. Mais moi, je suis convaincu qu'elle doit, pour des raisons personnelles, continuer le combat politique. Ce qui est un désastre pour le courant national, n'est-ce pas ? Ce qui est une catastrophe pour le courant national. D'autant plus une catastrophe que, compte tenu de ses reniements à répétition, la presse continue à l'inviter, évidemment, puisqu'elle est la candidate rêver du système, c'est-à-dire qu'elle permet à la fois à la gauche de rester au pouvoir, on l'a vu avec Macron, qui vient d'un gouvernement de gauche, tout en ne défendant pas nos idées. Oui. C'est quand même magnifique, et tout en ayant par ailleurs liquidé Jean-Marie Le Pen avant que de liquider le Front National. Parce qu'il est possible que dans un mois, elle ait liquidé le Front National historique. Donc il ne restera rien de tout ce combat, autre que son nom personnel et son prénom, qui lui permettront malgré tout de se faire élire et réélire aux élections nationales et européennes, sans avoir aucune chance d'ailleurs de gagner une élection présidentielle. Oui, c'est une vraie débandade parce qu'on voit aussi que c'est très mauvais en politique de revenir sur ses idées en permanence. Et on a vu que moi, ce qui m'a profondément choqué, c'est qu'après l'élection, tout à coup, elle a dit « bon, bah, finalement, l'euro, on va peut-être rester dedans ». Et en fait, ce n'est pas tellement la question de l'euro, on peut avoir un avis pour ou contre, mais elle était tellement anti-euro, et puis tout à coup, elle s'est dit, bah, finalement, on abandonne ça, parce qu'apparemment, c'est pour ça que je n'ai pas été élu. Enfin, c'était enfantin, quoi. Ça... Oui, mais alors là, vous savez, c'est le danger de la démagogie, et dans sa version... Alors, le mot à la mode de la part de nos adversaires, c'est parler de populisme. Moi, quand j'avais votre âge, on ne parlait pas de populisme, on parlait de nationaliste, ou de la droite nationale, ou de l'extrême droite, je ne sais quoi. Ils n'avaient pas inventé le mot populisme. Mais dans l'un des travers de l'engagement politique, c'est la démagogie, c'est-à-dire le discours facile en fonction de l'air du temps, en fonction des sondages, en fonction des événements. Il faut avoir un corps de doctrine, il faut avoir une ligne politique. Alors, il se trouve que quelquefois, notre ligne politique ou nos convictions ne sont pas en phase avec l'opinion majoritaire, mais d'une certaine manière, qu'importe. L'art de la politique consiste à convaincre l'opinion
du fait que ce sont nos idées qui sont bonnes. Mmh. Ça n'est pas de suivre en fonction de l'actualité tel ou tel courant d'opinion. Donc nous avons vécu cela sur la question de l'euro avec Madame Le Pen, donc de contradiction en contradiction, d'alignement sur les instituts de sondage, on finit par faire tout et n'importe quoi, faire comme les autres. Oui, tout or, à fait. Quand on est un marin et Le Pen père était un marin et on fait de la voile, on a un cap. Mmh. Un cap. Alors, il peut arriver qu'on doive louvoyer parce que on tire des bords face au vent parce qu'on a le vent dans le nez. Mmh. Mais l'idée, c'est d'aller au cap. On ne perd pas de vue le cap, l'objectif. Et cela, sur des questions aussi fondamentales que le choix de modèle européen, quel type d'Europe voulons-nous, sur ces questions-là, eh bien, il faut être clair et se défendre ses idées. Elles sont minoritaires, mais elles seront peut-être demain majoritaires. Mmh. L'important, c'est de mettre les questions sur le débat, au débat, de manière à faire progresser nos idées. Ouais. Quand on est parti de 0,7% des voix, on s'aperçoit bien qu'il en faut du travail pour convaincre l'opinion que nos idées sont bonnes. Oui. Écoutez, restez avec nous. Dans la deuxième partie, on reviendra sur les postulats de Karl Lang et de ceux du Parti de la France, bien sûr. Voilà, des questions thématiques. Restez avec nous. À tout de suite. De retour dans Vive l'Europe pour cette seconde partie, toujours avec Karl Lang. On a un peu tracé votre historique jusqu'à la création du Parti de la France. En présent, vous posez quelques questions sur le fond, en fait, c'est-à-dire la particularité de votre parti et vos points de vue sur certains, sur certains thèmes. Je ne sais pas ce que Geoffrey, toi, tu... Oui, j'ai des questions. Oui, bah, vas-y, je t'en prie. Comme on t'a pas beaucoup entendu dans la première partie. Bah, j'ai une question un peu difficile à vous poser. Tout à l'heure, en fait, vous aviez dit que parmi les immigrés, enfin, je vous ai posé la question, je vous ai dit, parmi les immigrés extra-européens, s'ils sont assimilés, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas dans un islam et s'ils aiment la France, est-ce que vous les considérez comme français ou est-ce que vous pensez qu'il faut les rémigrer ? Et vous m'avez dit, je crois, hein, si j'ai bien compris, que s'ils étaient vraiment français, qu'ils travaillaient, que ce n'étaient pas des criminels, etc., ils étaient français et donc pas sujets à la rémigration. Mais, ok, mais. Il y a quelque chose à savoir quand même, c'est que, vous savez, je pense peut-être qu'il y a des différences intellectuelles entre les races humaines. Par exemple, si on fait un test de quotient intellectuel aux Noirs, ils ont en moyenne 70, tandis que les Blancs ont en moyenne 100. Or, c'est quelque chose qui va poser un problème naturellement à l'assimilation, puisque, étant donné qu'ils n'ont pas le même niveau intellectuel, ils ne vont pas s'assimiler au niveau intellectuel global français. Est-ce que vous considérez ce problème ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Écoutez, non, pas du tout, parce que d'abord, moi, je ne suis pas certain des sources scientifiques sur cette question-là. Je crois qu'il y a tellement de différences qui sont au niveau individuel. J'ai l'expérience de la vie, m'a montré que les qualités des hommes, elles n'étaient pas liées ni à leur niveau éducatif, ni à leur niveau de diplôme, mais à leur qualité personnelle. Quelles que soient les classes sociales, quelles que soient les professions, quelles que soient les régions. Donc, moi, j'ai pour habitude de juger les hommes et les femmes en fonction principalement de leur qualité humaine. Et c'est dans l'action, par l'expérience, par les actes que pouvaient les juger. Par ailleurs, n'est-ce pas, dans l'histoire du courant national français et de la France, nous avons un certain nombre de départements et de territoires d'outre-mer hein, qui sont français depuis quelques siècles. Et moi, je suis attaché à la préservation du rayonnement de la France dans le monde et à la protection et au maintien de nos départements et territoires d'outre-mer au sein de la nation française et de la République française. Donc, pour être le plus clair possible, encore une fois, être français, ça s'hérite ou ça se mérite. Moi, je considère comme français tous les Français, quelle que soit leur région, quelle que soit leur origine. Mais parmi les nouveaux Français, parmi les récents Français, il faut qu'ils soient clairs. Encore une fois, soit ils décident de rester en France en rentrant dans le creuset national dont je parlais tout à l'heure, dans le moule national. Et dans ce cas-là, ils abandonnent, ils tournent le dos
un certain nombre de leurs propres identités antérieures. Soit ils veulent préserver à tout prix leur mode de fonctionnement, leur culture, leur religion, leur tradition, leur mode de vie. Mais dans ce cas-là, il faut qu'ils repartent chez eux. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Je crois que c'est une position qui est solide, qui est humaine, qui est réaliste. Et puis, vous savez, au sein de la nation française, vous avez aussi, je prends un seul exemple, celui des harkis. Au moment où De Gaulle, qui est revenu au pouvoir en 1958 pour sauver l'Algérie française, décide de brader l'Algérie française et laisse faire aux soldats français 4 ans de guerre supplémentaire, et pour rien, et bien, en 1962, non seulement il abandonne la communauté des Français d'Algérie, mais de surcroît, il sacrifie les soldats français algériens, les harkis, qui se battaient pour l'armée française. Or, il y a au sein de la communauté nationale aujourd'hui des patriotes qui sont issus de ces familles de harkis et qui sont des patriotes par le sang versé, par le choix de la France, par le patriotisme, n'est-ce pas ? Donc, la nation française, elle ne s'est pas construite autour de la nation de race. Elle s'est construite autour de la nation d'un peuple, d'une histoire, d'un territoire, d'une religion, d'une culture, d'une identité, d'une langue. Tout ça constitue le creuset national, la spécificité nationale française. Le principe national français n'est pas de même nature que le principe national allemand, n'est-ce pas ? La nation allemande a existé avant l'État allemand. D'une certaine manière. La France, elle, s'est construite autour de son État, mais selon des critères, selon des modes d'évolution qui ne sont pas identiques aux autres. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle chaque nation a sa propre identité. Et lorsqu'on défend l'idée de la grande Europe des nations, des patries, c'est justement pour avoir des conceptions européennes communes, des valeurs européennes de civilisation en commun, mais des spécificités nationales propres. Et la France a des spécificités nationales propres, et on ne peut pas réduire le principe national au principe racial. D'accord, je vous remercie de votre réponse. J'ai une question, vous dites, page 70, nous ne sommes pas la droite libérale, la droite mondialiste, la droite affairiste, la droite européiste, nous sommes la droite nationale, la droite sociale, la droite des traditions, de la famille, de l'identité, du travail. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous n'êtes pas libéral ? Eh bien, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le courant, il y a deux approches du courant libéral, il y a le libéralisme philosophique et politique et le libéralisme économique. Moi, je suis attaché aux libertés économiques, mais je ne suis pas un ultra-libéral en économie. C'est-à-dire que je considère que le libéralisme économique doit être régulé, doit être encadré. Il doit s'inscrire dans un fonctionnement qui est conforme à l'intérêt des peuples. Donc les libertés économiques, oui, l'initiative privée, oui, la liberté d'entreprise, oui, le risque, le profit, oui. Tout cela est conforme au bon fonctionnement économique, mais à condition qu'on ne mette pas en péril les réalités nationales. Donc je suis hostile à ce que j'appelle le libéral mondialisme, c'est-à-dire la version mondialiste, transnationale, supranationale du libéralisme. Ou alors, on pourrait utiliser une formule suivante, un libéralisme national est acceptable, un libéralisme mondialiste ne l'est pas. Un nationalisme libéral est acceptable, ou un libéralisme national est acceptable. Un libéralisme sans régulation, sans contrôle, sans cadre national, me paraît être tout à fait contraire à l'intérêt des nations et à l'intérêt des peuples et aux intérêts économiques, n'est-ce pas ? Nous sommes dans un monde, la globalisation économique est une réalité depuis l'effondrement de l'Union soviétique et du pacte d'Europe de l'Est, du pacte de l'Union soviétique et du bloc de l'Est, pardon. Le monde a changé, nous devons nous adapter à ce monde, mais nous ne devons pas nous laisser emporter par le libéral mondialisme qui bouscule tous les héritages économiques et sociaux et toutes les traditions économiques et sociales. Pour être clair, vous pensez que l'État doit quand même parfois intervenir pour protéger l'identité d'un pays, quoi. Oui, je crois aux filières stratégiques. Oui. Je crois qu'il y a un certain nombre de filières qui sont stratégiques. Et quand elles sont stratégiques, je pense à l'agriculture. Je pense à l'énergie, etc. Bref, lorsque nous avons affaire à ce qui touche à la souveraineté nationale et à l'intérêt national, le marché ne doit pas s'imposer. Donc il faut réguler le marché, il faut contrôler le marché. Je ne sais pas s'il faut parler de protectionnisme, moi je préfère parler de régulationnisme, de régulation du marché, de régulation du commerce, de régulation des échanges. Ça ne doit pas être la loi de la jungle du commerce international. Il y a des pays qui pratiquent une économie dont vous inspireriez si vous étiez au pouvoir. Je crois que vous avez des exemples en tête, par exemple en Europe, de pays qui arrivent à la fois à être dans le...
En Europe, c'est difficile puisque nous sommes tous, la plupart du temps, pour l'Europe, les membres de l'Union européenne, en tout cas soumis à la logique qui est celle de l'Union européenne, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Dans le traité de Rome, et dans le traité de Rome de 57, et qui fonde les conditions de la communauté économique européenne, qui est devenue plus tard l'Union européenne, eh bien, il y a un principe qui est le principe de préférence communautaire. Ce principe de préférence communautaire a été évacué au fil des traités qui ont suivi. Moi, je crois à la préférence communautaire. Je pense que les traités doivent réguler, contrôler, n'est-ce pas ? Le marché ne doit pas être la loi absolue. Le marché doit être encadré. Bon. C'est la raison pour laquelle je suis libéral en économie, mais pour un libéralisme, encore une fois, qui n'est pas un libéralisme anarchique. Vous dites également que vous êtes de la droite sociale. Quelles seraient, si vous arriviez au pouvoir, les deux premières actions politiques de droite sociale que vous prendriez ? Écoutez, droite sociale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en priorité, on sert les intérêts du peuple français. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, préférence nationale à l'embauche. Voilà un exemple. C'est-à-dire qu'au moment où se présente un emploi, eh bien le français chez lui, un français prioritaire. Voilà un exemple. Préférence nationale à l'embauche. Voilà une action sociale. Deuxième exemple de patriotisme social, ce que j'appelle le patriotisme social, eh bien, les aides familiales, elles sont réservées exclusivement aux familles françaises en France. Mais attendez, quand vous dites famille française, ça inclut les immigrés extra-européens, on est d'accord ? Ça inclut tous ceux qui sont de nationalité française en France. Au moment où nous parlons, n'est-ce pas ? Quand vous faites de la politique, il faut aussi tenir compte d'un ensemble de réalités. Moi, je suis favorable au principe national. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le principe national, la politique nationale s'applique aux nationaux français. D'accord. Qu'ils soient bretons, ou qu'ils soient de Martinique, ou qu'ils soient d'Alsace, ou qu'ils soient de Corse, ils s'appliquent. Donc, voilà deux modes d'action, me semble-t-il, immédiats, possibles. Préférence nationale embauche, patriotisme social. Le patriotisme social, ça veut dire que les aides sociales et les aides familiales en France, sur le territoire national, sont réservées exclusivement aux nationaux français. Moi, je conçois très bien que l'on puisse aller travailler, si vous êtes français par exemple, aller travailler en Allemagne ou travailler en Grèce ou ailleurs, mais vous devez vivre à l'étranger du fruit de votre travail. Vous ne devez pas vivre à l'étranger du fruit des aides sociales du pays d'accueil. Eh bien, c'est vrai pour la France. En France, on peut venir pour travailler, mais on ne peut pas et on ne doit pas venir en France et vivre au crochet de la société française sans travailler. Donc voilà deux exemples, préférence nationale d'accord, et patriotisme social, qui sont des exemples immédiats de mise en œuvre d'une politique de droite sociale. Qu'est-ce que vous préconisez au niveau de la gestion des migrants ? Qu'est-ce que vous feriez si vous arrivez au pouvoir au niveau des migrants ? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la question de la migration elle-même. Bon, moi, je suis pour l'arrêt immédiat de toute immigration extra-européenne à l'exclusion des réfugiés chrétiens persécutés en terre d'islam. Car je crois que nous avons, nous qui sommes une nation de civilisation chrétienne, un devoir de solidarité et de fraternité à l'égard de ceux qui sont persécutés en terre d'islam pour leur religion. Donc, arrêt de toute immigration, réduction à zéro, et mise en place d'une politique de retour au pays. C'est-à-dire que je suis hostile au phénomène de renouvellement régulier des titres de séjour pour les étrangers qui n'ont pas de travail en France. Si vous avez un travail en France et que vous respectez les lois françaises, vous avez un titre de séjour. Il n'est pas nécessairement renouvelable automatiquement. Mais en tout état de cause, si vous vivez en France en tant qu'étranger et que vous n'avez pas vous êtes à l'expiration de votre titre de séjour, il n'y a aucune raison particulière pour qu'on renouvelle ce titre de séjour. Donc une politique de retour au pays, hein, progressive, une politique d'arrêt d'immigration nouvelle, une politique de retour au pays. Et puis j'ajoute que dans un monde en plein développement économique, parmi toutes les difficultés du mondialisme, il se trouve qu'objectivement, concrètement, il y a des taux de croissance très forts dans un certain nombre de pays du monde. Eh bien, c'est l'occasion aussi pour des jeunes issus de l'immigration, s'il se trouve que dans leur pays d'origine, il y a des taux de croissance importants, je pense à la Turquie en particulier, ou entre autres, eh bien, c'est l'occasion de repartir au pays. D'une certaine manière, on peut même accompagner le mouvement de la croissance mondiale en organisant ce retour au pays. Dans ce livre, je parle de la nécessité d'aider au développement de l'Afrique en
permettant le retour en Afrique des techniciens, des médecins, des ingénieurs, et tout autre, qui sont tous autres, qui ont été formés en France ou en Europe et qui doivent aider au développement de l'Afrique. Donc je crois que c'est l'intérêt des pays d'origine de bénéficier de cette main-d'œuvre. Je crois que c'est notre intérêt de faciliter le retour au pays. Mais le meilleur moyen de réaliser cela, d'une certaine manière, c'est de mettre un terme aux pompes aspirantes, n'est-ce pas ? Comme nous le disions avec Jean-Marie Le Pen depuis toujours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous venez en France et que si vous venez en France sans travailler, vous n'avez ni logement social, ni aide familiale, bah vous ne venez pas en France. Donc il faut arrêter avec cette politique folle qui incite à l'immigration, réserver les aides sociales et familiales aux seuls Français, arrêter l'immigration nouvelle, favoriser le retour au pays. Et dernier point, il faut modifier le code de la nationalité. Nous nous étions battus avec acharnement dans les années 80 contre la réforme du code de la nationalité qui permettait de devenir français automatiquement par le simple fait d'être né en France. Et on devenait français, même si vos parents n'étaient pas français. Moi, je suis hostile à cela. Moi, je crois qu'on ne doit devenir français que par filiation ou par naturalisation dans certaines conditions. Mmh. Et qu'en aucun cas, on ne doit ou on ne peut devenir français de manière automatique. C'est de la folie. Bon, donc, c'est la filiation, la naturalisation. Donc, il faut réformer le code de nationalité et en finir avec la binationalité pour les citoyens qui ne sont pas européens. Moi, je ne suis pas hostile à la binationalité quand il s'agit de membres de l'Union européenne. Je suis hostile à la binationalité quand il s'agit de tous les autres cas de figure. Comment vous arriveriez à le justifier, ça, politiquement ? Parce que un journaliste vous dirait, mais pourquoi on peut être franco-italien, on ne peut pas être franco... Mais parce que justement, il se trouve que parmi la réalité du siècle, nous faisons partie de l'Union européenne au moment où nous parlons. D'accord, bon, oui. Et qu'au titre de cette Union européenne, il y a une notion qui est développée par tous les européistes d'ailleurs, oui, qui est la notion de citoyenneté européenne. Eh bien voilà un bon moyen de leur rappeler ce qu'est la citoyenneté européenne en leur disant que du fait justement de cette spécificité européenne, je ne suis pas hostile de principe à la binationalité. Ça n'est pas l'idéal du principe national. Moi, je crois que idéalement, on est français ou allemand. Mais bon, il se trouve que une réalité historique fait que cette binationalité peut être tolérée, me semble-t-il, dans le cadre des pays membres de l'Union européenne. Alors, il y a une question qui divise beaucoup, qui est celle du port d'armes. Et il me semble que sur le sujet, vous avez un avis. Concrètement, est-ce que vous êtes pour le port d'armes citoyen ? Vous militez pour cela ? Et si, voilà, dans le parti de la France, il y a cette idée de... Moi, je suis favorable à la mise en place d'une garde nationale civile. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, la réserve ou la garde nationale, ce qui s'appelle la garde nationale ou la réserve opérationnelle, ce sont des jeunes qui ont une formation et qui, ponctuellement, tentés, soit dans la police, soit dans la gendarmerie, viennent en supplément, en appui de nos forces de sécurité intérieure. Moi, je crois à la nécessité de mettre en place une garde nationale civile, c'est-à-dire composée d'hommes et de femmes, qui par ailleurs sont boulangers, médecins, infirmiers, aides-soignants, qu'importe, techniciens, ouvriers, qui ont bénéficié d'une formation, qui bénéficient d'un encadrement et qui, à ce titre et dans cette logique-là, dans ce cadre-là, peuvent au quotidien être armés. De manière à ce qu'ils soient en situation de faire face à une forme d'agression terroriste, même s'ils ne sont pas en uniforme, ils sont au quotidien porteurs d'une arme, en ayant évidemment été sélectionnés, en ayant été encadrés, en ayant été armés, en ayant bénéficié d'un suivi médical. Il y a des règles très précises, très strictes, c'est-à-dire que ça n'est pas ouvert à tout le monde, mais je crois qu'il est nécessaire qu'une partie de la société française, une partie des citoyens français, soit en situation de pouvoir faire face à des agressions terroristes, même s'ils ne sont pas en uniforme. Alors là, nous sommes très loin de la pensée dominante, mais je crois que nécessité fait loi et que le meilleur moyen pour une nation de se défendre, c'est d'avoir un peuple en armes, mais pas dans n'importe quelle condition. Donc je crois à cette garde civile, à cette garde nationale. Ah oui, c'est quand même très différent du port d'armes citoyen. Vous ne dites pas que tout Français doit avoir un accès libre aux armes comme ça peut être le cas aux États-Unis. Ah non, pas du tout. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Ça n'est pas non plus la culture française. Et puis, déjà,
mettons en place, renforçons les structures de sécurité intérieure qui se mettent en place doucement dans le cadre des réserves, c'est une très bonne chose, mais ça ne suffit pas. Donc, en plus de cela, la garde nationale civile, c'est-à-dire que voilà, une sélection de citoyens qui sont, dans, encore une fois, dans des conditions strictes et d'encadrement et de formation, sont habilités au quotidien à porter une arme et sont en mesure éventuellement à faire face à toute attaque de type terroriste. Je saute du coq à l'âne, mais ce sont des questions qui reviennent souvent, y compris de la part des spectateurs. Vous êtes pour l'abrogation de la loi Guesso. Comment est-ce que vous justifiez cela, en fait ? C'est une question de liberté d'expression, de... Oui, alors là, bon, écoutez, là nous sommes dans... n'est-ce pas ? Ce sont des lois liberticides et dont l'objectif est que la loi et donc la justice décident et déterminent une réalité historique ou un mode de pensée. Bon. À partir du moment où on n'est plus libre de défendre ses idées, ses convictions, et que l'on est condamné pour ses idées, on ne vit plus en démocratie, ça n'est pas plus compliqué que ça. Alors moi, je n'ai jamais refusé de débat contradictoire, étant cadre ou secrétaire général du Front, ou élu du Front, des gens de gauche ou d'extrême gauche. Le débat contradictoire est toujours utile. C'est d'ailleurs de là que vient la prise de conscience du peuple. Donc, il faut affronter l'adversaire sur les questions des idées. Mais à partir du moment où vous n'avez pas le droit de vous exprimer, à partir du moment où l'idée nationale peut être condamnée, à partir de ce moment-là, vous ne vivez plus en démocratie. Donc, il faut abroger ce qu'on appelle les lois liberticides, et tout le monde a y gagné. La démocratie a y gagné, l'histoire a y gagné. Bref, il ne faut pas avoir peur du débat contradictoire et des idées, même si ce sont celles de vos adversaires. Geoffrey, est-ce que tu veux poser une question ? Oui, je voudrais revenir, c'est un peu décousu une question, parce qu'on rebondit, mais ce qui est arrivé au Front National donne le sentiment d'un immense gâchis pour la France et pour les militants du Front National. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié, j'ai un trou là. Oui, est-ce que vous croyez que Jean-Marie Le Pen a admis cette terrible erreur d'avoir coopté sa fille au Front National ? Est-ce qu'il l'a admis, cette erreur ? Tout ça, vous lui poserez la question lorsque vous le verrez pour commenter ses mémoires. Je pense que Jean-Marie Le Pen a été aveuglé par le fait qu'il était le père de Marine Le Pen et que le lien familial a fonctionné dans un seul sens. Il a fonctionné du père vers la fille et pas de la fille vers le père. Mais je crois que Jean-Marie a tout accepté de sa fille. Voilà, parce que c'était sa fille, parce qu'elle portait son nom, parce qu'elle était médiatiquement efficace en début de sa carrière, que sur les entretiens courts, elle est extrêmement efficace. Bon, voilà, que dès qu'on aborde des questions de fond, c'est autre chose. Mais donc, il a été un petit peu sous le charme de sa fille, et c'était sa fille. Donc, il a été aveuglé, et donc, il a cautionné beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il réalise, je crois, l'évidence, c'est qu'il a perdu à la fois le parti politique qu'il avait fondé et lequel ne défend plus ses idées. Et il a été exclu de son propre mouvement par sa fille. Donc, je pense que pour lui, humainement, c'est assez difficile à vivre. D'accord. J'ai une dernière question à propos du Parti de la France. Le Parti de la France, comme vous l'avez dit, est un parti composé de militants infatigables qui font beaucoup pour essayer de défendre la France et leurs idéaux. Mais est-ce que le Parti de la France a une stratégie pour essayer de percer un peu plus électoralement, pour avoir plus d'influence médiatique peut-être ? Est-ce que vous avez des projets ? Vous savez, nous sommes dans la situation où était le Front National à la fin des années 70. Bon. C'est-à-dire que nous agissons, nous faisons ce que nous pouvons agir grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, et nous présentons des candidats lorsque nous avons les moyens financiers de le faire, mais aujourd'hui, le verrouillage médiatique est total. Non, n'est-ce pas ? Le système médiatique est totalement contrôlé et verrouillé. Bon. Jusqu'à présent, personne ne souhaite me laisser m'exprimer au sein des émissions de radio et de télévision nationale ou parisienne, je dirais, parce qu'ils ne veulent pas me laisser dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand je parle de colonisation migratoire, quand je parle de retour au pays, ce sont des mots qu'ils ne veulent surtout pas entendre, puisque ce sont des ennemis du principe national. Donc, nous ne pouvons pas compter sur le système médiatique. Alors, deuxième option, il faudrait avoir des moyens financiers à la Trump, c'est-à-dire être capable de pouvoir injecter sur une campagne quelques millions d'euros. Bon, je n'ai pas, pour le moment, je ne suis pas en situation d'avoir cet impact financier. Donc la politique, c'est quoi ? Ce sont les médias
et c'est l'argent. Bon, le meilleur exemple étant M. Macron, qui venant de nulle part et sans parti, par ses réseaux financiers et par ses réseaux médiatiques, a réussi à se faire le président de la République. Nous ne pouvons pas compter sur ces choses-là. Donc, nous ne pouvons compter que sur l'engagement de la minorité consciente et organisée du peuple français, qui a encore une conscience nationale. Peut-être pas si nombreux que cela, avoir encore une conscience nationale. Mais au moins que cela s'engage, s'organise et agisse. Et grâce en particulier, c'est vrai, entre autres à Internet, nous avons une structure d'action parallèle. Et on ne peut pas passer par la grande porte, on peut passer par le soupirail. Donc c'est un moyen d'action. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut persévérer, il faut continuer, il faut tracer le sillon. Vous savez, comme le paysan qui trace son sillon, la terre est rocheuse, elle est sèche, c'est difficile, mais on trace le sillon et on avance. Et advienne que pourra. La seule chose qu'on ne puisse pas faire, c'est renoncer. Parce que si nous renonçons, eh bien, il n'y a plus personne qui va défendre nos idées, n'est-ce pas ? Donc moi, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ce que je sais, ce que je puis dire, c'est que au Parti de la France, nous défendons nos idées, nous défendons nos valeurs, nos convictions, l'idéal national, l'idéal français, les valeurs françaises. Et puis, nous espérons toujours qu'il y ait un moment ou un autre une fenêtre de tir. Nous sommes un peu en embuscade. Nous sommes là, avec des hommes, une structure, une petite organisation, quelques munitions. Nous sommes en embuscade. Si les occasions historiques se présentent, eh bien, nous serons là. Je ne sais pas s'ils se présenteront. Mais écoutez, moi, j'ai une dernière question. Vous allez me dire, vous n'êtes pas médium, bien sûr, mais quand on voit un peu cette crise migratoire dans toute l'Europe, on a un peu des raisons de s'inquiéter pour l'avenir. Et je voulais savoir si, de manière intuitionnelle, est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir de la France et plus généralement de notre continent ? Comment vous voyez les choses ? Moi, je m'aperçois qu'en tout cas, à l'Est, ça résiste, si j'ose dire. Oui. C'est-à-dire que la portion la plus résistante de l'Europe aujourd'hui, c'est l'Europe de l'Est. Mmh. Je pense à la Hongrie, je pense à la Pologne, je ne parle même pas du grand voisin russe, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais à qui nous devrions avoir des relations plus politiques, économiques plus importantes, ce que j'appelle un partenariat privilégié. Donc, en tous les cas, il y a un certain nombre de pays d'Europe qui résistent, qui s'opposent. Et tous ne sont pas dans une logique béate d'acceptation de l'immigration de masse. Oui. Tant que nous sommes majoritaires chez nous, tout reste possible. Oui. C'est-à-dire, à une condition, c'est qu'il y ait une prise de conscience et un sursaut vital. S'il n'y a pas de prise de conscience et s'il n'y a pas de sursaut vital et de politique, de volonté de défense, eh bien, ceux qui ne se défendent pas sont submergés par ceux qui envahissent, n'est-ce pas ? Donc, rien n'est joué. Probablement, ce 21e siècle, enfin, la charnière entre le 20e et le 21e siècle restera dans l'histoire comme une charnière historique essentielle de laquelle viendra soit la disparition du peuple français qui va se dissoudre dans une citoyenneté républicaine, où les Français d'origine française seront, ou d'origine européenne, seront minoritaires chez eux, ça c'est une option. Mmh. Deuxième option, il y a un sursaut, mais pour ça il faut qu'il y ait une prise de conscience, et à ce moment-là, tout reste toujours possible, n'est-ce pas ? Donc, comme disait Maurras, en politique, le désespoir est une stupidité absolue, bon, une bêtise absolue. Donc, tout reste possible, mais il faut se dépêcher de s'engager, d'agir, de faire ce que l'on peut, de ce que l'on doit. Et puis, au bout de son engagement militant, au moins, on a la satisfaction de se dire « j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai dû au service de la cause de la nation ». Moi, je crois à la cause de la nation, je crois à l'identité nationale française, je crois à la grande Europe des patries, je crois à nos valeurs de civilisation. Mais encore faut-il que les peuples et les nations d'Europe aient la volonté de défendre qui elles sont et d'où elles viennent. Sinon, en effet, eh bien, elles seront balayées par le tsunami démographique. Le tsunami migratoire. Hein. Il est prévu d'ici à la fin du siècle 3 milliards d'habitants supplémentaires dans la seule région de l'Afrique subsaharienne. Oui. N'est-ce pas ? Donc, si on n'est pas capable d'organiser le développement dans cette région du monde, et ils viendront ailleurs, n'est-ce pas ? Bon, voilà, ça, c'est un des grands défis, le défi démographique. Mais pour relever le défi démographique, encore faut-il qu'il y ait aussi des volontés politiques en tant que peuple et en tant que nation. Oui. J'allais terminer, mais tu avais écrit une question qui, en fait, va dans le sens de... C'est à propos de l'expatriation, quand même, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent sans perspective et qui, malgré leur amour de la France, font le choix de l'exil. Quel regard vous portez là-dessus ? Est-ce que vous êtes un peu en colère face à ça ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que... En fait, je le regrette simplement, si vous voulez, parce que je le constate et je le regrette. Mais qui peut leur jeter la pierre ? Oui.
n'est-ce pas? Donc ça, c'est aussi vieux que l'histoire de l'humanité. Bon, non, moi, ce que je souhaiterais, c'est que les élites françaises restent en France, à condition qu'il y ait des politiques qui leur permettent, en particulier ceux qui sont les plus actifs, les plus entreprenants, les plus volontaires, ceux qui sont prêts à prendre des risques, leur permettent de faire leur vie économique et sociale sur la terre de leurs ancêtres, n'est-ce pas? C'est toujours plus agréable de construire sa vie avec ses proches et sa famille que de la construire à l'autre bout du monde. Mmh. Encore faut-il être en situation de pouvoir le faire. Bon, aujourd'hui, un certain nombre d'élites et de jeunes quittent la France parce qu'ils ont le sentiment qu'en France, compte tenu de la réalité fiscale, compte tenu du fait que nous sommes la dernière société post-communiste d'Europe, ils seront écrasés d'impôts. La sécurité, bien sûr. Ils n'ont pas de perspective, sans compter toutes les autres problématiques. Mais c'est cela aussi le rôle d'un État national, c'est de permettre à sa jeunesse et d'offrir à sa jeunesse des perspectives pour qu'elle reste sur le territoire national et qu'elle participe au redressement national. Le redressement national est toujours possible. Mais encore une fois, il ne se décrète pas. C'est un projet. Ce sont des idées, ce sont des principes, ce sont des valeurs. Le reste, ça n'est que de l'habillage. Il faut s'en tenir aux fondamentaux et au fil des événements de l'actualité, eh bien mettre en œuvre ces fondamentaux. Et nos valeurs nationales, je crois, sont les valeurs qui peuvent porter le redressement national. Très bien. Écoutez, Carlang, je vous remercie. Merci pour votre invitation. Je vous félicite pour votre constance dans l'effort national. Vous êtes vraiment un exemple à suivre pour beaucoup. Je suis vraiment très content de vous avoir eu dans l'émission. Geoffroy, je te remercie pour tes questions. Et quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine, enfin à dans 2 semaines pour une prochaine émission. À très bientôt.